on souhaite cadenasser Internet. Vous le savez, je ne citerai pas toutes les déclarations malheureuses qu'on a pu entendre ces dernières années, mais quelques propos récemment tenus sont édifiants. Ainsi, Jean-François Copé, président de l'UMP, qui voit dans Internet un danger pour la démocratie. Quand Jacques Séguéla y reconnaît la plus grande saloperie jamais inventée. D'autres, comme le député UMP Jacques Myard, voudraient contrôler Internet, le nationaliser, comme en Chine, ceci est entre guillemets. Il faut donc absolument préserver Internet, préserver la toile des tentatives de contrôle des ennemis du débat. À ce titre, la loi LOPSI 2 de 2010 est inquiétante. Parce que sous des prétextes inattaquables, comme la lutte contre l'ignoble pédopornographie, elle fait en réalité entrer la toile dans une logique mortifère, celle du filtrage arbitraire par le pouvoir. Il faut aussi préserver Internet de l'appétit des puissances d'argent, les amis du pouvoir, les amis de Nicolas Sarkozy. Je pense en particulier aux majors du disque, qui brassent des milliards d'euros et qui ont fait voter, grâce à un lobbying très actif, la scandaleuse loi Hadopi. Au lieu de pourchasser l'internaute comme il le fait aussi avec l'automobiliste, le gouvernement Sarkozy serait bien inspiré de s'attaquer aux vrais voyous, dont les trafics, eux, prospèrent tranquillement. L'Union européenne relaie ses menaces contre Internet et veut donner aux ennemis de la toile des armes juridiques considérables au niveau international. Ainsi, depuis 2006, la Commission européenne négocie avec plusieurs pays un traité que les Français doivent connaître, le traité dit ACTA, ou Accord commercial anti-contrefaçon. Une sorte d'Hadopi au niveau mondial que les grands groupes voudraient voir adopter. Un organe mondial de contrôle d'Internet, un organe de sanction contre les internautes au service des grands groupes privés. Je demande la transparence absolue sur ce traité et j'exige que la France la refuse. Je me réjouis du fait que la résistance à ce funeste traité gagne de l'ampleur. Il y a quelques jours, le Sénat mexicain a voté une résolution demandant à son gouvernement de ne pas ratifier ce traité. Mais je suis inquiète quand j'entends la Commission européenne annoncer que d'ici quelques semaines, l'Union européenne ratifiera ACTA. Je rappelle que je fus la première responsable politique française à m'opposer à cette Hadopi mondiale dès 2006. Je l'ai dit dans mon grand discours du 1er mai. Je défendrai partout et toujours la liberté du peuple face au pouvoir, de la nation face à l'oligarchie, du petit face au gros, de la création face aux intérêts financiers. À ce titre, je réitère mon engagement d'abroger immédiatement la loi Hadopi si je suis élu à la présidence de la République en 2012. Naturellement, la France cessera aussi immédiatement de participer aux négociations sur le traité ACTA.